Mamma, mamma. J'ai pas déplacé mon truc, ce qui fait que je vois pas les sons du jeu et tout. Ok. On va aller là-bas. On continue sur notre lancée avec Monsieur Red Hood. On va aller voir Madame Motoya. Avant, on va juste faire ce petit... le petit cadavre qui est là. J'ai quelque chose. Hop. Alors, pardon. Alors, votre scan de cette clé USB montre un chiffrement digne des régulateurs. Il est difficile d'extraire des informations pendant ce disque dur. Une bague. Votre a pu être utilisé pour frapper ou menacer la victime avec de l'ennemi qui couvre la possibilité de la victime sur la partie métallique. Bon, moi, je pense que c'est lui. Hein. Salut. J'aime pas quand des fois, tu sais, c'est les bons trucs, mais tu sais, il teint toujours en erreur de malade. Je trouve que ça va être un vieux bail tout pourrave. La pièce identique à la portefeuille n'appartient pas à la victime. L'un des agoteurs, le fictif est tombé à l'intérieur, c'est pas une note. Et Madame bon. Motoya. Ensuite. Bon, j'ai eu le temps de croiser plein les shinobi dans mon chemin. Montoya. Donnez-moi de bonnes Plané nouvelles. Ergo aussi. J'ai assez de preuves pour boucler Cain des années. C'est le mandat qui pose problème. Le juge vous met des bâtons dans les roues? Je suis allé voir tous les juges que je connais, et aucun ne veut le signer. Ils ont peur. Même s'ils ignorent tout de la cour, ils savent qu'on n'embête pas Cain. Et la juge Moreno, elle a mis au trou des personnes intéressantes. Les vieilles fortunes de Gotham. Elena était l'un des premiers noms de ma liste. Mais j'imagine que l'affaire du tunnel de Chelsea a laissé des traces. Elle s'est volatilisée. Vous avez oublié le boulot que je fais? Je vais me regarder, trouver des citoyens respectables pour me mettre sur la bonne piste. Faites signer ce mandat, et je le ferai appliquer. Les gars ne parlent plus que de vous à la machine à café. Ok, mon pote. Continuez à faire du bon boulot. Et pas trop ce qu'il faut faire, là. On va appuyer sur contrôle hein, pour pouvoir avoir une idée de la mission. My God! Allez, accouche. Ah ouais, j'étais pas dit. J'ai drop un item. Il est où? Il est là, fabrication. J'ai drop un légendaire, mon tout premier légendaire, sauf que il me faut des trucs prismatiques, je sais même pas comment on a ça. Et apparemment, il y a un système de rang, je suis dans la merde. Mais je pense, tu vois, les légendaires, je vais les débloquer et je vais m'intéresser dessus quand je vais avoir la game New Game Plus. Il me permet de refaire du coup tout le mode histoire, mais avoir gardé mon stuff, donc pour pouvoir avoir un meilleur stuff, etc. Par contre, en termes de tenue, qu'est-ce qu'elle est belle. On a capacité d'élan, on s'apprête à bientôt débloquer celle-ci. Parce que il est là, capacité d'élan, percheur discret. On doit juste faire un nid de hibou et après on a la capacité d'élan à niveau max de notre petit père. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Jacob Cain? Attends, j'ai la mafia pour récolter des informations. Elle est de ce côté-là. Et où cet endroit là? C'est là, je crois, non? Pas sûr et certain, mais je crois que c'est là. Je vois toujours aussi bien le jeu codé. Hein. Il fait des gros drops FPS pour rien. On va essayer de faire ça. Il y a peut-être une chance qu'il y ait des mafias ici. C'est faux, c'est un bail de... Je sais pas comment je fais pour l'ouvrir, mon pauvre. Genre, comment ça se fait que je peux l'ouvrir avec mon poignet, genre. Bah, je vais le faire, même si je les aime ne pas. Ne prenez hein. Aucun risque, Red Hood.
C'est pas comme la mission, donc là ils font beaucoup plus de dégâts. Hein. Il m'a empoisonné, il fait chier lui. Des bras électriques, on va en profiter. Oh le bâtard, il m'a sonné. On va essayer, non? C'est vraiment ceux que je vais faire le moins de missions, hein, les ergots. Parce que qu'est-ce qu'ils sont relous pour j'ai nettoyé un autre nid. Faire les bonus de mission, c'est trop chiant. Let's go, j'ai débloqué. Guettez, j'ai mon bail, on va voir c'est quoi. C'est même pas dans... Bon, c'est dans les défis, hein. Mais c'est même pas du coup dans mes... C'est même pas celui-ci, c'est quoi ça? Une fois activé, la prochaine attaque de Redwood est augmentée d'une proportion des dégâts qu'il reçoit, soigne également Redwood de 1% par seconde. Oh. Ok, ça veut dire que je peux me faire défoncer la gueule. Genre je l'active au moins, je vais me faire péter la gueule et après je vais mettre une patate mon gars. Ouais, utile, pourquoi pas. Après j'essaie de faire en sorte de pas me faire trop tapasser quoi. Bon du coup, on doit essayer d'aller... Oh. Espérons c'est des mafias, sinon on est dans la merde. Tu veux que je te descende? J'adore tabasser de la rature. J'ai juste à m'interroger un normalement. Je cherche Elena Moreno, c'est une juge. Tu peux me dire où elle crèche? On n'est pas assez dingue pour se frotter aux gens qui veulent tuer Moreno, d'accord? Mais les régulateurs, eux, ils se vantaient d'une importante mission de protection! C'était pas difficile. Maquilla m'a armé d'un régulateur, du coup, je suppose. Mais Beffroi, on dirait que la mafia a rien à voir avec Moreno. Mais défi lancé, balance. Attends, j'ai un régulateur, ouais, du coup je vais essayer de savoir où est-ce qu'il est ce trou de balle. Alors, ils sont par là, toute la ville en bas. Vite vers le bas. On va patrouiller, let's go. Bah, y en a justement. Il y en a juste devant. Il y en a un là. Et c'est des shinobi malheureusement. Vous vous foutez de moi? Oh, il est skiffé. Oh, bâtard, il sort d'où, lui? Et ouais, ma gueule. Pas où est passé le deuxième qui s'est téléporté, mais bon, c'est pas grave. Accent. Hein.
pas si c'est des régulateurs, ouais. Pitié, venez m'aider. Merci beaucoup. On va augmenter nos points. Il doit venir au corps à corps. Let's go. On a toujours pas de régulateur. Attends, on va aller checker la main. Non, la vie saute. Ah, ça me saoule. Bon, le perso peut pas escalader une petite barrière de merde là. Qu'est-ce que ça me donne? Ok, régulateur. Batman te foutait les jetons? Ce sera pire avec moi. Tu vas me dire où je peux trouver la juge Moreno, pas vrai? Bon, il paraît qu'il y a un deal pour la protéger. Mais je connais pas les détails. Ok, ça me va. Let's go. Beffroi, les régulateurs disent qu'ils ont vendu du matos de sécurité aux parias, mais c'est tout. Ça ressemble pas trop aux parias. Pour moi, ça vaut le coup d'enquêter. Ok, donc là, faut que j'aille chercher les parias, je suppose. Donc, vraiment pour m'amener de gauche à droite, là. On va aller là-bas pour défendre les flics. Quoi ça? C'est des trucs pour Will. Pensez d'ailleurs, ces trucs-là, là, avec les ambulances, c'est pour Will. Agent demandé, près de Sarla. Les agents ont besoin de renforts. J'espère que les renforts arrivent vite. Bat Pumpkin. Ah. T'as un autre ninja qui est venu, wesh. Ok, j'ai fait 3 et... 3 et skip par face. Ok, mélan. Ça va décoiffer. Let's go. Ils sont pas encore morts. Ça va piger 2000, wesh. J'ai piger 2K, mon gars. Se téléporter, wesh. Ouais, bien, bien. Oh le bâtard. Le flic qui m'a tiré dessus, wesh, trop de balle. C'est vraiment un débile le flic, je suis là, je le sauve, qu'est-ce qu'il me fait, il me tire dessus. Ok, on avait dit qu'il nous fallait un paria, paria c'est là-bas.
Oh non, pour de vrai là, t'as pas sauté. Let's go. Aller par ailleurs, donc ça sert à rien que je vois ça rose. Je peux les attraper en plus, les colosses, normalement, si je me trompe pas. Il y a moyen que je puisse les choper, genre. Voir le défi. Il est tout en haut au niveau de la cagette. Tout en haut au niveau de la cagette. Tout en haut au niveau de la cagette. C'est genre vers là, pourquoi je pense. Ah, il y en a un là-bas. Let's go. Espérons que c'est un paria. C'est fou parce que quand moi je les cherche, je les trouve jamais. Hein. Mais là, du coup, pour la quête, on les trouve. Hein. Mais j'ai remarqué que du coup, je passe mon temps à essayer de chercher des régulateurs ou des parias. Je tape tout le monde sauf des parias. Écoute, je vais faire très simple. Qu'est-ce que tu sais au sujet d'Elena Moreno? Elena Moreno. Juge. Ah ouais! Il paraît que tout ce qu'on a à faire, c'est de la protéger des types au masque de Piaf. Fastoche! Merci pour le tuyau. Ah, donc elle est pas reliée au... au hibou. Mais froid. Moreno payait les parias pour la protéger. Je me dirige sur sa position. C'est bon à savoir. Fais attention à toi. La position à Moreno, où est-ce qu'elle est? Ça va, elle était à côté en vrai. On va rester vers les bas, on va pas activer le grappin. Ça va rien. C'est un peu relou quand même que dans New Game Plus, t'es obligé de refaire le mode histoire pour débloquer quelque chose. Je suis pas assez au-dessus d'un level, mais bon. Tu vas mourir pour ce que tu sais. Ouvre-moi cette porte, vite. Élimine les ennemis avec des tout de suite. Techniques parfaites. Bof. On le déstabilise. Oh le bâtard, je crois qu'il allait donner un coup de pied. J'ai failli fauter. Bien, des crétins qui veulent se faire mal. Bâtard, je suis devant toi. C'est merde, passe au carnage. Attends mon gars. Ces débiles n'apprendront jamais. Oh le bâtard, c'est comme ça qu'il m'a touché, tout à l'heure. Il y en a un, il a fui malheureusement, donc Ah, j'ai protégé Moreno, MDR, je sais même pas. Je n'avais point compris ça, moi. Vous allez bien? J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. Comment elle ressemble à rien, sa mère? Ils ont tué mon frère. Pauvre Alex.
Tout ça parce qu'il n'a pas arrêté les travaux au tunnel de Chelsea. La cour aime pas trop quand les gens lui disent non. Bon sang, elle existe. Vous pouvez nous aider à l'éliminer. J'ai un mandat d'arrêt au nom de son chef. Je vais le signer. Pas question de laisser ces gens terroriser la ville. Dis merde, mon gars. Ravi de voir qu'on se comprend. Je demande à quelqu'un de vous récupérer. Quelqu'un est déjà en route. Je savais que les parias ne feraient pas le poids. Alors j'ai appelé une amie. Merci. Et bonne chance, Red Hood. Bon. Qu'est-ce qui est plus fort que les parias? Moreno va bien. Dans ses elle a aussi signé le mandat d'arrêt. C'est super. On va s'assurer qu'elle le reste. Qui est plus fort que les parias chez ses amis? À part la meuf, genre... la meuf de la ligue, là, je vois personne. Est-ce que le bandeau est vraiment nécessaire? Non, plus maintenant. Oh. Regardez-moi cet endroit. Attendez. Barbara? Mais qu'est-ce que vous faites là? René, ravi que vous soyez là. Bienvenue dans le Beffroi. Vous êtes Batgirl. Votre père le savait? Si c'était le cas, il n'a rien dit. Vous savez maintenant, si vous voulez nous aider à faire tomber Jacob Kane, on doit se faire confiance. Dick Grayson, j'imagine que vous êtes Nightwing. Croyez-vous la quête? Ça se voit tant que ça? Faudrait être aveugle? C'est pas comme si... Tu déguisais ta voix. Robin. Je vous ai jamais vu sans votre costume. En fait, on s'est croisés. Genre, 5 fois, peut-être? Ah oui. Tim Drake, c'est ça? Ça y est, on a déballé nos petits secrets? On a du pain sur la planche. Jason Todd. On dirait que les morts sont parmi nous. Moi, je vais t'enculer ta mère. Vous avez ce qu'on voulait? La juge a signé un mandat d'arrêt au nom de Jacob Kane. Complicité dans la mort de Langstrom. Avec un dossier très solide. Si vous délogez Jacob Kane de sa planque, je peux demander à tous les flics honnêtes de la ville de l'attendre à sa porte. Mais ce sera pas facile. Ce bâtiment est une sorte de bunker. Oh, on sait. La façade est blindée, il y a des canons anti-aériens sur le toit. Et c'est pour ça... qu'on a des drones. J'imagine que vous n'avez pas de permis pour ça. Vous imaginez bien, en effet. Je dois vous dire, Pennyworth, j'espérais que vous étiez Batman et que vous aviez pris votre retraite. MDR. Bien que cela me flatte, la vérité est malheureusement plus triste. Vous m'envoyez désolé. Là, elle doit se dire, merde, j'ai une équipe de merde. Bon. Des gosses. Et ce plan, alors? Qu'est-ce que je vais faire avec des gosses? Ah oui, le plan. Ça va vous plaire. Tout d'abord, vous allez rejoindre le point de rendez-vous en vue de notre cible. Kane Industries. J'ai ajouté des infos au tableau. Elle doit clairement se dire, merde, dans quoi je suis tombé, bordel. Bon, ça, on a dit que c'était mort. Ça, on l'a déjà stuff, et du coup, il n'y a pas mieux. Il n'y a clairement pas mieux que ça. Du coup, c'est ce qu'on a pour l'instant. La défense est moins, mais là, je fais son plus. Pensez à craft hein, des trucs, même si vous les voulez pas, pour gagner le style et l'emblématique pour vous. Hein. Parce que en fait, au bout d'un moment, ça se supprime automatiquement, du coup, pour faire de la place. Et du coup, bah, vous ne récupérez pas les trucs en question. On va garder celui qu'on a dans l'inventaire. Pourquoi on a ça? Ah oui, c'était pour savoir ça faisait quoi.
j'ai toujours pas gagné de... J'ai pas de... En fait, j'ai moins de dégâts avec l'arme, mais j'inflige des dots. Donc en vrai... En vrai, j'ai bien envie de swap. Hein. Je perds 20 de dégâts, mais du coup, je peux infliger des dots, mec. C'est... En vrai, ça peut être bien. Des petits dots par-ci, par-là. Poison ou alors... Après, la givre, ça fait des dégâts en zone. Poison, ça fait des gros dots. Givre, dégâts en zone. Ah, on va craft ça, au pire, c'est pas grave, vas-y. On va mettre de l'accumulation et de l'accumulation. Voilà, on aura ça du coup. Les modes, on va laisser, on va s'en occuper une autre fois. Un petit titan, vas-y, on va s'habiller en titan. À chaque fois, on a le même truc, on a métal, ça j'aurais de changer un peu. Let's go. Bon là, les trucs qu'on a gagnés en légendaire, c'est pour les autres persos. Une série de violentes attaques et d'apparitions de grands animaux. C'est complètement dingue. Je savais que vous étiez dans l'armée, mais merde, Alfred. À la fin de mon service, j'ai choisi de venir à Gotham. Ça m'a mené sur une voie que je n'aurais jamais imaginée. Des gangs fans de technologie, des sociétés secrètes. Des héros en cap. Ça paraît tellement ridicule dit comme ça. Le gars est dans l'armée, il décide d'être majordome. Je pensais en avoir fini avec la guerre. Mais j'en ai simplement découvert une autre. Tu vois, le gros problème du coup de ce... Les combattants changent. De l'histoire, c'est que... Les champs de bataille aussi. On parle trop de Batman, ça casse les couilles. Mais le prix à payer reste le même. Ils évoluent pas en fait, parce qu'ils font que de parler Batman, Batman, ouais. Batman, Batman, Batman. Ils évoluent pas du tout. On a les cicatrices qui le prouvent. Bruce se sentait coupable de votre mort et de la noirceur qui a suivi. Mais même dans les pires moments, nous savions que vous aviez le potentiel de devenir un homme meilleur. Parfois, je me sens à peine humain. Alors, un homme meilleur. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont tous les yeux blancs. C'est quelque chose que j'ai pas pigé. Il croyait en vous. Et il était très fier de votre parcours. Surtout après tout ce que vous aviez traversé. Ouais, ma gueule. Non, pleure pas, c'est pas viril. Bah. J'ai perdu toute crédibilité là. C'est bon, je fais plus partie de la street trade. Inspecter le drone de Kane, let's go. Merde, j'ai même pas regardé le niveau de la mission, bon je pense que ça devrait aller en vrai. C'est l'heure. Vous êtes prêts ? Drone en stand-by. Oh ben. Ah ouais, il est protégé lui hein. Il a si peur que ça. Le GCPD est en place. Chaque étage de Kane Industries est protégé par un blindage breveté. Vous allez devoir escalader le bâtiment. Super, un peu d'entraînement. Des signalements d'activité de la Ligue des Ombres arrivent. J'espère que Tali a dit vrai et qu'ils partiront quand on arrêtera la cour. On n'a plus beaucoup de drones. Dépêche-toi de monter sur le toit.
Non, vraiment là. Le perso est vraiment tombé comme ça là, comme une crotte. Je fais pas 2-4 dégâts, mais du coup j'ai de l'élémentaire. Faut juste que je vise la tête. Y'a pas un bouton pour forcer l'arme à se recharger? Merde. Ton DPI il est trop élevé des fois. Trop bizarre, mais bon. C'est pas bon qu'on arrive à gérer du coup avec. Le vieux élément qu'on a. En vrai, la glace, ça reste bien, mais si c'est... C'est broken, genre. Oh, ce costume est badass, quand même. Quand on est Jacob Kane, les armes anti-aériennes, c'est le minimum. Ça va, c'est 19-22. Selon les plans, on aura du coup un élément de chaque. Seule la technologie de Kane pourrait le percer. Il vous faut une découpeuse laser. Kane en a une dans la zone de stockage des munitions. Une découpeuse laser. Ça a l'air expérimental et assez solide. Ça découperait sûrement un sabot de stationnement. Je suis une perceuse laser, prototype au numéro de série KD847. Merde, ouais, elle parle. Ça parle. Attention, ce prototype est à usage unique. Bon, va falloir bien viser. Maintenant que vous avez le laser, vous devez trouver comment accéder à tout l'étage. Trouve une carte d'accès. On pourra y mettre ta signature biométrique. Attention. Et voilà, sans se faire repérer ma gueule. Je l'ai eu. Il savait même pas que j'étais là, mon gars. On peut pas réécrire tes données sur la carte si tu l'amènes pas au poste de sécurité. Ils sont juste fait bolos. Mais froid, cette carte ne marche pas. T'as écouté au moins. Quelque chose comme ça marchera pas si tu réécris pas les données au poste de sécurité. Allez, vas-y. Bizarre, mais maintenant je peux accéder à tout l'étage. Ouah, du vert, frère, du vert. Mais moi, du violet, bâtard. Bon, on va y aller en mode bourrin, ouais. Il y a toujours autant de gardes. Les choses ne sont pas vraiment mieux ici. Autant de gardes, j'en vois zéro là. À moins que c'était ironique de malade. Voilà mon gars. Là. Un shot. Oh non, il est revenu. J'ai plus de balles. Pitié pour les tirs. J'ai raté. Eh ouais mon pote. Y'a un tir dans la tête qu'il peut faire. Kane utilise un réseau de caméras à détecteur de mouvement. Il serait judicieux d'éviter toute détection. Et si on te repère, tu devras réinitialiser les caméras depuis la console.
fallait être rapide. Selon les plans, c'est là que se trouve l'ascenseur privé de Kane pour le bunker. Des fois, ce bureau a pas la même forme que sur les plans. Il y a un truc qui colle pas. Ouais, ça ne colle pas. Monsieur Jacob Kane. De toute façon, il y a toujours un endroit où... Oh. Un endroit caché. Oh, les fois... Ce que j'ai à te dire risque d'être difficile. Beffroi, il y a une sorte de grille de symboles ici. Oh, mais j'adore le sudoku. Chaque symbole ne peut apparaître qu'une fois par rangée, colonne et carré. Je suis bien content de pas y être. Mais c'était le meilleur arrangement professionnel et personnel que je pouvais espérer. Sa famille était dans la sécurité privée, j'étais dans l'armement. Une seule fois par rangée, ok. Et je venais divorcer. Bon, là on va changer, ça va être simple. Hein. Cac, 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 il faut mettre le seul qui est pas. C'est ça. Donc lui, c'est simple, c'est ça. Ici, le simple qui n'y a pas ici. Il y a ça là, il y a ça là. C'est forcément lui, du coup. Mince, non, lui, parce que lui, il est déjà là, pardon. Forcément lui, et lui, c'est lui. Du coup, lui, lui, pardon. Tac. Tac, donc forcément lui, c'est un autre qui a pas. Chier, comment ça marche déjà? Chaque case doit contenir un symbole, n'oubliez pas. Et là, c'est la griffe. Tac, là, c'est la griffe, comme je dis, tu vois, je suis chaud. Hein. Idéal pour ainsi dire. Ici, du coup, il y a la griffe, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc ça, c'est bon. Donc là, il y a la griffe, il y a ça, donc ça, on va le changer. Il y est déjà. On va le changer, il y a déjà. Donc la griffe. Ici, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Les ailes. Voilà. Et là, il va falloir... Easy, mec. C'est le cul, en vrai, c'est archi drôle. Franchement, j'ai... Quand j'étais petit, j'aimais trop faire ce truc de merde. Je savais qu'il y avait un bureau secret. Il a dû galérer pour cacher cette pièce. Son arme à feu, ça sert à rien, je peux pas interagir deux fois avec. Étrange mécanique détectée. Pareil que même les globes de luxe n'ont pas besoin d'être connectés à un tableau. Ouais, j'ai pas eu d'énigme, yes. Je crois qu'il est le méchant d'un film d'espion. Ça, c'est du blindage. Il n'y a que le matos de Kane qui peut le percer. Allez, du coup, utilise le machin. Yes! Allez, laser, parlons. Montre-moi ce que tu sais faire. Il n'y a pas d'énigme, je suis content. Laser, prototype au numéro de série KD847. Ouais, non, mais j'avais bien saisi. Mais comment est-ce que tu découpes? Découpage. Con, la vache! Un mode silencieux? Négatif. Bah alors ma gueule. Vous êtes où? Évitez de prendre des dégâts en plus. Tu peux te barrer toi là-bas, j'en ai rien à branler. Alors là, je vais même pas te courir une seule fois après. Ils vont pas d'où là. Que ça va. Ah bah 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 bah. Trop de talent ici, trop de talent, les guns. Alors
Alors là, mon gars, tu vas pas ruiner mon... ne prendre aucun dégât. Hein. Je n'ai pris aucun depuis tout à l'heure, la vie que je gère, là. Selon nos dernières infos, Kane était dans l'ascenseur. Dès que tu le peux, fonce. Bah, je fonce, je suis dedans, mec. Quand l'ascenseur va s'arrêter, on va enfin s'amuser un peu. Vous avez une idée de ce qu'il y a en bas? L'ascenseur descend en partant du penthouse jusqu'à un bunker. Mais pour ce qu'il y a dedans, mystère. Ok, merci pour l'aide précieuse. Bah, y a pas un bouton pour recharger nos balles, là? Oui, il y a le bunker. Fais bien attention. Oh, faut pas des trucs silencieux, j'ai la flemme, moi. Vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore les escadrons de mort? Non, madame. On dirait une intrusion de justicier. Faut qu'on l'arrête avant qu'il chope le colonel Kane. Oh, vas-y, au moins on va dans le temps. Putain! Toi, tu voulais pas mourir du premier coup, hein. C'est une sacrée salle de conseil de guerre. On dirait le Pentagone. Kane doit causer de gros problèmes pour avoir besoin de tout ça. Un email d'Etienne Gamma et de... Oh. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais on va le lire. Hein. On va le lire. Mais il est où le truc violet? Ah, il est là. Waouh, il y a des infos sur toutes les puissances mondiales. Kane aurait de quoi rendre jaloux la CIA. Bien joué, Kane, je suis fier de toi. Et on va devoir continuer. Ne vous faites pas repérer. Mano, ma gueule! J'ai que ça à faire de jouer à joujou, moi. Allez, on descend. Hop, dommage, c'était celui de gauche. Là, on va direct au cac. La bagarre de A à Z. Beffroi, ma carte ne marche plus et j'ai un funiculaire à faire bouger. Quelqu'un peut le pirater à distance? Je sens que ça va être chiant, il y aura des ergots ici. On a toute une liste de commandes ici. Je vais tenter celle qui a funiculaire. Nickel. Merci. Ergo, ça va être chiant. Je sens qu'il y aura des ergos. Des intrus se sont introduits dans les niveaux inférieurs. Armez-vous. Ce sont des justiciers. Ouais. Évitez de prendre des dégâts. Bien. Bien. Où il va recruter tous ces mecs? Il n'y a qu'une seule porte, de toute façon, c'est par là, non? À tout le personnel, fin d'alerte. La menace est sous contrôle. Reprenez vos patrouilles. MDR. Soit il ment, soit les choses vont partir en vrille. Pense qu'il ment. Putain d'ergo! Non! J'en ai marre de cette merde. Tiens, tiens. Encore. Quoi? Bon. Faut crotte. Tiens, crève. Hey, mon cancel, mon... sans prendre de dégâts, là. Tiens, 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 tiens.
Et ils prennent vraiment les machins. Est-ce que tout va bien? J'ai juste entendu Ergo. À peu près. Kane doit être désespéré pour nous envoyer ses ergos. Je vais bien, ma chérie, je vais bien, ma chérie. Attention, qui sait ce qu'il a encore en réserve? T'inquiète, easy. Il est là-haut de rien du tout, mon gars. Cette pièce doit être un genre de centre de contrôle électrique. Assez pour alimenter toute la ville. Tu peux couper le courant d'ici? Non, sinon je serais coincé ici. Je ferais mieux de trouver une issue. J'aime bien quand tu nous parles, Bad Girl. Le réacteur crache du feu et des gaz toxiques. Ouh, c'est la deuxième pire odeur que j'ai jamais sentie. Impossible de passer par là. À moins que... Hey, quelqu'un peut pirater un truc? Je suis prêt. Tu veux quoi? Dis-moi que tu vois un truc marqué réacteur. Trouvé. Mode diagnostic réacteur. Il y en a un en bas, un en haut. Lance-le. Coffre, il y a un coffre là-bas. Des fois, je crois que j'ai trouvé le QG de la cour des hiboux. Je vais faire un tour. Ouvrez des coffres. Nice, ça c'est bonus en plus. Banger. Des fois, vous m'entendez? Je comprends pas, ils sont faibles au froid et... Écoute-moi maintenant. Ils sont faibles au froid, mais ils sont construits dans des endroits froids. Tous ces efforts, c'est l'héritage de Gotham. Ils n'ont donc rien compris. Jacob Kane, pleure pas, mon pote. Réaliser des éliminations silencieuses. Oh, j'ai la flemme. Le problème d'élimination silencieuse, c'est que j'aime bien, hein, mais putain, qu'est-ce que c'est long. J'ai trop de timer avec les ennemis et vas-y, flemme. Je devrais aller voir. J'ai rien à voir, mon gars. Bon, il saute les prochains. T'inquiète pas, je viens à vous. Il peut être n'importe quoi. Quand je t'ai mis une balle tête, mon gars, tu l'as senti plus dire. Effroi, vous êtes là? Il n'y a plus que vous. Ici-bas, rien n'entre ni ne sort sans que je l'ai décidé. Donc, c'était votre plan de m'amener jusque-là? Et il a fini de parler? C'est toujours le même blindage qu'avant. Mon laser parlant me manque. Oh, mais je peux pas utiliser, mon gars. Je sais que qu'un des jouets de Kane peut m'ouvrir cette porte. Des commandes de plateforme, à quoi elles servent? Non.
Putain, je suis con. Ok, j'ai cette plateforme qui dirige cette plateforme. Pour pivoter la plateforme. Des commandes de grue. Voyons comment ça marche. Erreur. Position du chargement non valide. On va bien saluer. C'est les paroles d'un nouvel album de métal ? Parce que ça craint. Faut que je la mette sur ça, je suppose. Ouais, ça lui pile poil dessus. Véhicule et système d'armes mal alignés. Veuillez faire pivoter le véhicule. Ah, il est pas du bon côté, ok. Descends mon frère. Donc ça active le laser. Jamais. Ah, parce qu'il était là ? Merde. Je savais même pas qu'il était là, tu sais. Moi j'ai vu le coffre, j'ai couru sur le coffre. Ce complexe a été construit pour résister aux assauts. Ouais mon gars, on va en ligne droite ici. Vous faites la même chose que vous. À tâtonner dans le noir. Oula! La Ligue des Ombres est une bande de cinglés. Tu as la moitié de la ville. Pour la purifier. Donc vous créez une foutue armée pour cogner sur toute la Ligue? Pour sauver Gotham d'elle-même. Gotham a besoin de chasseurs. De nouveaux chevaliers. Ils s'épanouissent dans l'ombre comme vous à l'époque. Comme vous maintenant. Contrairement à toi, ils restent à leur place. Ok, 1v1, au corps à corps, vous êtes prêts ? Dépôt. Leur foutre, toi. Viens dans ta mère. Il y en aura deux autres du coup je suppose. Il y a écrit réalité. Ah non bah non. Juste moi qui suis mal. Vous êtes après, le prochain Kane. C'est pas normal en vrai si je le bats maintenant c'est trop facile. Je pense qu'il y a autre chose. Mets-lui une balle! Un sous-marin, logique. Mon gars, t'es vieux, tu t'attends à quoi, toi? Vous êtes pire qu'une plate. Je vous laisse une chance. La gâchez pas. Un seul coup suffirait. Mais faudrait que je vous porte.
Je vous ai laissé une chance, alors, Shard. Mais vous avez échoué, comme avec Bruce. Vous auriez peut-être dû rester mort. Mets-lui une patate. Voilà, mon gars. Ça, c'est mon Red Hood. Tue-le. Gotham ne croira pas que la cour existe. Encore moins que j'en suis la voix. Non. Et alors? Faut qu'on croit que vous avez tué Langstrom. Et quand bien même? Hein? Où est le journaliste qui en parlera? Ou l'agent qui m'arrêtera? Sans parler d'un juge pour me condamner. C'est le jour de congé de la juge. Mais les autres attendent après vous dehors. Ma femme est toujours commissaire. Je serai dehors en un clin d'œil. Elle a envie de pisser la gueule là ou quoi? Montoya? Tenez, Montoya. Jacob Kane. Il est presque comme neuf. On lui a gommé le crâne, ça. On travaille avec des justiciers. Catherine va vous retirer votre plaque pour ça. Ça vaut le coup si ça peut vous envoyer en tôle. C'est fini? Je pense pas, mais... Ouais, mais il flex, wesh, mets-lui une patate, frère. Vous avez des commentaires. Est-il vrai que vous projetiez d'assassiner Kirk Langstrom? Mais ouvrez les yeux! La police corrompue conspire avec des justiciers pour se débarrasser de moi. C'est sa femme? Putain... Il y a le libère, baisse ta mère. Ne dis pas un mot de plus. Jacob. Yes. C'est la ninja, wesh. Nous ne l'a pas tué, mais la ninja l'a buté. Yes. Espèce d'imbécile. Ouais, merci, insulte plus sa grand-mère. On va s'évacuer ces gens. Trouvez qui a fait ça. Et cherchez partout. Inspectez les toits. Allez. C'est Talia Ghul, wesh. Merci, bébé. La vie, si merde. Talia vient d'avoir Jacob. Il est mort. Elle a filé, mais je la traque. Ne la lâche pas. T'as un comique, elle est où là? Au moins elle s'arrête, c'est gentil, parce que putain, la vie. Je la suis. Elle rend pas les choses faciles. Suivez-la. Il n'y a pas tant de toi que ça. En fait, elle avance lentement, ça, c'est le début.
parti par où? Ta mère. On dirait que Talia va à la tour Wayne. Qu'est-ce qui te prend, Talia? Jacob Kane était presque livré tranquillement, et tu l'as assassiné! Non, nous l'avons assassiné. La Ligue des Ombres te remercie pour ta collaboration. Bruce n'a jamais été aussi utile. Wow. Et tu m'as menti en disant que tu n'étais pas la chef. Depuis combien de temps tu prévoyais ton coup? Des années? Des décennies. Mon père n'avait pas une vision aussi claire que la mienne. Et sans lui, la Ligue pourra pleinement s'accomplir. Je suis étonné que tu n'aies pas tué ton père toi-même, Talia. J'en avais pas besoin. Et maintenant, hein? Je pense pas que toi et ta Ligue vous partiez comme ça, tranquillement. Leur char d'hôtel n'était qu'un début. Notre action à Gotham servira à la fois de phare et d'avertissement. Dans un déluge de sang, nous éliminerons la corruption de cette ville, et bien au-delà. Ton père aussi avait ce genre de discours. Ça ne m'impressionnait pas non plus. Alors ne perdons pas de temps. Je t'épargnais uniquement pour me servir de toi. C'est moi qui t'ai reconstruit, après tout. Je me suis reconstruit seul. Et je compte bien t'éliminer. Pour Bruce. Et pour moi. Même Bruce te l'aurait dit. Rien ne peut arrêter la destruction en marche. Adieu. Il me casse les couilles à parler de Bruce. Sur la fréquence de la police. Revenez au beffroi dès que vous le pouvez. T'inquiète pas, je reviens direct. Ah bah nickel, tu l'as choisi à ma place. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir la map qu'il l'a envoyé. Bon. Vas-y Jason Todd. Fume-lui ça, Daron. Je savais qu'il fallait s'en méfier. On avait coffré Jacob. Il allait enfin rendre des comptes. Et maintenant, elle a tout ce qu'il faut pour lancer la nouvelle phase de son projet. Elle va prendre nos alliés pour cible, pour nous maintenir à l'écart. Tout à fait. J'ai déjà pris l'initiative de les prévenir. Vraiment, Lucius s'est retranché dans un endroit sûr avec une équipe de protection. Et Montoya mobilise ses personnes de confiance. Ça ne suffira pas. Ils mourront sans notre aide. Ouais, les ninjas. Partout dans la ville.
Ça a déjà commencé. Ouais, les ninjas. Bref. J'ai ajouté de nouvelles preuves au tableau. Ouais, blablabla. Écoutez, les BFA est patrouillé dans Gotham City. Talia avait une longueur d'avance. Je crois qu'on l'a tous vu, mais il n'y avait pas assez de preuves. Et on a déjà assez d'ennemis comme ça. Ouais, j'espérais que c'était une sorte d'anti-héroïne dans tout ça. Comme tu l'as été aussi. J'essaie de pas édulcorer mon passé avec des mots comme anti-héros. Moi aussi, j'étais un pourri. En tout cas, je suis content que tu sois dans notre camp maintenant. Ah, genre, le jeu veut pas que j'ouvre la boutique. Il y a clairement un bug là. Il y a quand même écrit terminez vos préparatifs, puis quittez le BFA pour une patrouille nocturne et poursuivre votre enquête. Il y a clairement un bug là. Bref, bah les gens, je vous laisse là. Alors, pour cet épisode. Talia a enfin révélé ses plans. À la prochaine.